vieux boxeur en amateur, mon second roman, forme un diptyque avec le premier, Fils du Feu, qui racontait l'histoire d'un enfant devant son père forgeron, avec une histoire de famille. Et dans Quand Dieu boxait en amateur, le roman qui n'est pas une suite, mais qui fait une sorte de diptyque avec Fils du Feu, on retrouve le personnage du père forgeron, sauf qu'on le retrouve à l'âge de 7 ans, et on va le voir grandir. On va le voir forger, bien sûr, monter sa force, mais aussi devenir boxeur amateur, champion de France de boxe, et devenir comédien amateur dans un spectacle qui s'appelle La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être mis en scène par son meilleur ami d'enfance. À l'origine, je ne voulais pas du tout écrire un roman sur la figure du père. Il s'est trouvé que, entraîné par Fils du Feu, le livre de lui-même, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si le livre Fils du Feu demandait une suite. Et je me suis dit que c'était pas mal de prendre le père, donc, qui est adulte dans le premier livre, de le prendre enfant, de raconter un peu sa vie. Et je vais finir avec toute cette histoire semi-autobiographique dans un troisième roman dont le personnage principal va être la mère. Donc j'aurais fait la mère, le père, le fils, le Saint-Esprit, je ne ferai pas. Donc voilà, la Trinité, on ne fera pas la quadrinité. Voilà. Trouver un titre n'est jamais une chose facile. C'est un travail qui a été fait conjointement avec mon éditrice. Il y a eu plusieurs titres et tout d'un coup, ce titre, Quand Dieu boxe en amateur, a paru sympathique à tout le monde. D'autant que c'était le titre d'un roman que j'avais écrit il y a 30 ans, dont personne n'avait voulu. Et il s'intitulait exactement Quand Dieu boxe en amateur. Voilà. Pendant une vingtaine d'années, je m'étais mis en tête d'écrire un roman sur mes parents qui montaient des opérettes dans la cuisine du quartier populaire où j'habitais quand j'étais gamin. Montaient des opérettes pour les voisins du quartier qui étaient cheminots, qui étaient ouvriers. J'ai fait une vingtaine de versions de ce roman, qui étaient 20 versions très mauvaises. Et de ces versions-là est sorti le personnage du père et de la mère, enfin la famille, qui n'était pas un choix d'écrire sur ma famille. C'était juste le côté opérette qui me plaisait bien. Voilà. Et c'est devenu ces romans-là.